grosse attraction. Je suis Edouard Fé et on est dans le Toutankhamon, un palais des glaces. Un petit peu tortueux, regarde ça. Oh là là, c'est une échelle qui chavire. De droite à gauche, on a l'impression d'être un peu dans un bateau. C'est particulier, bah, c'est pas désagréable. Tac tac tac, hein. Et voilà, ça c'est une échelle, c'est assez classique. J'ai comme l'impression que là on va avoir un jumpscare, c'est juste là. Je m'en doutais, j'ai quand même eu peur. Ça pourrait tourner beaucoup plus vite, accélérer un petit peu le potentiel, ça deviendrait vomitif donc. Hop là. Oh, il manque 20 cm, c'est perdu. Et là là, c'est perdu. Allez, on continue. C'est la partie palais des glaces qui commence et le parcours c'est là. Quelque part par là. Si fin que ça, tu voulais manger une glace? Regarde, je vais le semer. Je vais semer Vipo. Hop, 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 hop. C'est quoi, c'est pas là, c'est pas là. Gauche ou droite, Vipo? Gauche ou droite? Gauche. J'aurais dû dire droite, bien sûr, j'aurais dû dire droite. J'aurais dû dire droite. Je le savais. On coupe ça, hein. Et on reprend juste ici. J'avance plutôt bien pour l'instant. Et je me suis fait avoir à tous les pièges, mais ça va. Non, c'est bon, j'abandonne, je fais demi-tour. Non, tu continues. Tu continues. Apparemment, il n'y a pas le droit d'abandonner. Et regarde là, les mousses, elles sont thématisées sur le thème Toutankhamon, comme le métier. C'est sympa. Bon, 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 bon. Faut pousser un peu. Je me suis caché, on va voir ce que Vipo va me trouver. Il est où? Oh, bah, il y a une momie. Il y a une momie. C'est moi la momie, là. Regarde, c'est thématisé. Essaye d'imiter le gars qui passe là. Ah, il le fait mieux que toi. Ah, oui, il fait mieux que toi. Ça fait bien, mais pas celui-là. Oh, attention. Ah, c'est dangereux quand ça tourne vite. Ah, c'est impossible, ça glisse. Ça glisse. Oh, ça glisse. Ça... Le pont de singes. Là, c'est le pont et je vous laisse deviner où sont les deux singes. Arrête de faire le macaque là. Là, je me ferai un chemin au travers les mousses encore. Je pense que ça ne va pas bouger du tout. Ah ouais. J'ai jamais vu un truc qui bougeait autant. Tu me guides? Ouais, viens. Vas-y, grand pas. Parfait, t'es tu, vas-y, avance. Keep going, là c'est fini. Descends. Tu vas tomber la structure, descends, Nordel. Ah ouais, je fais pas dans leur antenne, quoi. Vipo, il paraît que le cerveau humain fait 1,5 kg. On va voir sur cette balance qui pèse le plus. Oui. Oui. Non. C'est parce que j'ai fait des exercices égales sur 96, 86, plus 96, 94. On est ridicule, Vipo. Regarde, on te montre tout ce qui est autorisé et tout ce qui est interdit. Attends, il est en train de regarder. Pour l'instant c'est tranquille, on s'amuse bien. Ah, ça va vite. Ça va vite, toi. Wow. La sortie elle est violente. Yahoo. Alors apparemment c'est violent à la sortie. Bon, pour l'instant c'est assez calme. Lève les pieds pour pas que ça touche le sol. Sens de la marche. Non, sens de la marche. Mensonge. Maniver, c'est bloqué. Regarde ça. Oh. C'est un miroir. Et en fait, on peut y aller. Surtout quand tu t'es vu toi-même à l'intérieur. T'as-tu compris? Non mais il va où? Bah je suis la route. Je suis le sens de la marche. En plus tout est fléché hein. Je veux dire, c'est pas comme si on était perdu dans un labyrinthe. Encore une fois, on s'est trompé. Ça devient une rengaine maintenant, ça devient une habitude. Mais c'est en fait du tout, oui, on va passer par là. Très près de moi, c'est si vache. Choisis toujours l'inverse de ce que t'as envie d'aller. Ok, j'ai envie d'aller par là. Yeah, y'a compris. Alexandre va y aller en 2 minutes à la sortie. Faire l'inverse de ce que j'ai envie de faire, ça marche pas. Faire ce que j'ai envie de faire, ça marche pas. Je vais où moi les gars? Je vais où? Et en fait, il fallait que j'aille là où j'avais envie. C'était là que j'avais envie. Le parcours est très bien conçu pour donner l'impression que tu vas au bon endroit alors que tu te plantes sans arrêt. Une bonne piste parce que je vois qu'on est sur un chemin qu'on n'a pas encore emprunté qui est proche de l'extérieur. Et je sais que sortir de la labyrinthe, ça veut dire aller à l'extérieur. D'où le mot sortir. Apparemment, il y a un truc qui crée dessus. Un homme averti en vote 2. Toi, comment je suis censé faire ça moi? J'arrive plutôt bien pour ces incadules. Et voilà, tout en camon, c'est pas tout en carton, c'est même plutôt bien, je veux dire. On a pris tous les pièges, tous les mauvais chemins, on les a pris, donc ça doit être bien conçu. Allez, ciao.